Salut à tous. Bon, oui, c'est normal. Donc, je suis toujours à Istanbul, mais je suis moitié turc, moitié africain maintenant. Alors, je vais vous parler aujourd'hui à nouveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé de continuer ça. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une œuvre qui s'appelle La lugubre gondole de Franz Liszt, écrite dans les années 1880. Je vous la jouerai donc en entier tout à l'heure, puisqu'on s'est dit qu'à chaque fois qu'on parlait de la maçonnerie, il fallait trouver des choses un peu comme ça malsaines. Là, je crois que c'est bien, mais c'est intéressant quand même comme musique. Alors, donc, on va commencer par expliquer comment on est passé de la franc-maçonnerie opérative et spéculative et comment tout ça est arrivé tellement vite que, on est encore aujourd'hui dedans. Alors, pour vous montrer comment tout ça est arrivé, il faut remonter en 1717 à Londres, j'avais déjà dit une fois. C'est là qu'on a la naissance de la Grande Loge de Londres, 1717. Mais alors, moins de 6 ans après la création de la Grande Loge de Londres, en 1723, un frère protestant et calviniste qui s'appelle James Anderson va écrire les constitutions de la franc-maçonnerie qui deviendront la Bible dévoyée hein, des francs-maçons, bref, de la néo-maçonnerie spéculative. C'est lui qui fait la transition, justement, par les constitutions qu'il écrit, qui fait la transition entre la maçonnerie opérative qui est complètement infiltrée à la maçonnerie spéculative. Alors, il s'agit en fait, ces constitutions, il s'agit du code pénal des francs-maçons et qui évidemment n'a plus rien à voir avec tout ce qui était avant, puisque j'avais déjà dit qu'au départ, la franc-maçonnerie opérative, avant d'être infiltrée par toute la bande qu'on connaît là, c'était des constructeurs de cathédrales, des architectes, des mathématiciens, des musiciens, voilà. Donc, c'est ce type Anderson qui va écrire ses constitutions et qui vont... Donc, l'objectif, évidemment, c'est déjà d'affaiblir et de vraiment toutes les dynasties catholiques de l'époque. Et puis, il le dit lui-même, c'est de créer un évangile moderne. Un évangile moderne, comprenez, un évangile du futur laïcisme républicain post-révolutionnaire que nous subissons encore, quoi, qui va arriver bientôt en France. Mais ça commence là-bas, à Londres. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont bel et bien les protestants anglais qui sont les créateurs de ce détournement spéculatif qui s'est mis en place entre 1717 et 1733 pour finir, encore une fois, de remplacer le système opératif originel, le tout sur commande des banquiers, des usuriers, impatients de faire chuter rapidement les dynasties catholiques encore vivaces et qui, comme on le sait, étaient, tout comme l'islam, opposés à l'usure, c'est la seule raison, hein. Sinon ils s'en foutent que ce soit des catholiques ou autres qui soient aux commandes, mais évidemment si c'est des musulmans ou des chrétiens qui refusent le taux d'intérêt, ça ils ne peuvent pas laisser passer. Donc ce triste sire Anderson réalise donc sa sale besogne en écrivant ses constitutions et finalise le rêve de l'immonde Thomas Spratt, un évêque félon de Rochester et franc-maçon de la Royal Society, qui avait écrit en 1667, je cite mot pour mot, hein, le but, mettre l'Angleterre à la tête d'une ligue philosophique au-dessus de tous les pays d'Europe afin de devenir la banque générale et le port franc du monde entier. Voilà, donc c'est ce qui s'est réalisé là. Hein, au départ, le but de ces salopards-là, il n'est pas du tout évidemment philosophique, c'est de prendre le contrôle des finances et tout. Et puis ensuite, on se sert évidemment de choses comme ça, mais le but c'est simplement... ce qu'il vient de dire à l'instant. Alors l'assistant d'Anderson dans sa besogne, lui, il s'appelle Desaguliers. C'est un disciple justement du fameux évêque félon dont j'ai parlé, Spratt. Et lui écrit, je cite à nouveau, hein, tout ça c'est... Bon. « Les maçons étaient obligés dans chaque pays de professer la religion de leur patrie ou nation. » On trouve beaucoup plus à propos de les obliger seulement à suivre la religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord, d'où il s'ensuit que la maçonnerie est le centre de l'union. Voilà, je ferme les guillemets. Hein, là, on ne peut pas être plus clair. Alors, il ne faut pas attendre longtemps, évidemment, après que ces constitutions soient écrites pour que la Grande Loge de Londres... commence à travailler avec ça. Et en fait, Londres se transforme en quelques années en une improbable Babylone, c'est-à-dire répugnante de saleté. Et voilà, il y a l'historien Sidney, l'un des plus célèbres historiens de l'Angleterre de cette époque-là, qui écrit dans son livre
England and English in the 18th century, il écrit « Le spectacle des rues de Londres révélait aux voyageurs une grossièreté et une corruption malpropre répandue dans toutes les foules urbaines. Ce n'était que crime, ivrognerie, débauche de toutes sortes, sans en excepter les plus basses ni les plus anormales. » Voilà. Ça, en 5 ans, la maçonnerie spéculative a pourri absolument tout Londres et toute l'Angleterre. Et puis après, ça s'est diffusé, comme vous le savez, partout. Bon, j'ai déjà expliqué que ce cancer londonien avait été justement propagé en France pour y fomenter la soi-disant révolution française, parce que ce n'est pas une révolution, c'est un putsch, c'est un coup. Bon, un coup organisé par les loges et un massacre sanguinaire qui est en fait une vengeance talmudique. Et quand on connaît les hauts degrés de la maçonnerie, on comprend ça. Une vengeance de sang, pas une révolution, enfin bon, bref. Alors écoutez ce qu'écrit l'excellent Léon Meurin dans son ouvrage datant de 1893, « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan ». Il écrit, je cite, « Après avoir établi fermement la maçonnerie dans les divers pays chrétiens, les Juifs assurèrent la prééminence des grands orients en nombre et en influence. Par ailleurs, ils établirent un grand nombre de loges formées exclusivement de Juifs. Déjà avant la révolution de 1789, les frères Ecker et Ecofen avaient fondé à Hambourg la loge de Melchisedec, réservée aux seuls juifs. Les Hébreux von Hirschfeld et Kotter créèrent, eux, à Berlin, à la fin du XVIIIe siècle, la loge de la tolérance. » Alors déjà, quand vous avez la loge de la tolérance, de l'amour, machin, vous pouvez être sûr qu'il y a une quenelle, il y a un truc qui va pas. Voilà, la loge de la tolérance. Le périodique maçonnique secret de Leipzig, au mois d'octobre 1864, disait que le centre des loges juives fonctionnait à Paris sous la direction de Crémieux. Tiens, encore lui, vous vous rappelez Crémieux, le décret Crémieux, là, Moïse-Éric Zemmour. Là. Donc voilà, le vrai nom de Crémieux, d'ailleurs, Isaac Moïse Jacob. Donc, les loges juives fonctionnaient sous la direction de Crémieux et du grand rabbin. Voilà. Et ça, ce sont les journaux de l'époque et les historiens qui le disent, hein, pour ceux qui nous traitent de complotistes. Se faire enculer. Voilà. Bon, je crois que vous commencez à comprendre un peu comment on se les mangeait, celle-là. Et donc, ça a commencé, évidemment, avant la Révolution française. Ce sont dans les années entre 1730 jusqu'à 1789 qu'ils ont tout infiltré. J'avais déjà dit dans la précédente vidéo, là où on parlait de Marie-Antoinette et tout ça, beaucoup de nobles se sont laissés avoir, évidemment, puisqu'il y en avait beaucoup qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie et qui se sont fait couper la tête par leurs frères, enfin, quelques années plus tard. Voilà. Alors maintenant, avant de vous quitter en musique, je vais vous lire mot pour mot certains passages de rituels maçonniques de cette période, donc cette période spéculative, hein, qui sont toujours en vigueur dans les hauts grades. Alors accrochez-vous, ça pique un petit peu. Salomon, le lion de la tribu de Juda, qui préserva et transmit la clé de la véritable connaissance de Dieu, alors, comprenez Satan ou Lucifer, hein, de ses lois, comprenez le Talmud, et des profonds mystères de l'univers physique et moral. Il existe des sens plus profonds contenus dans les symboles de ce degré royal arche qui reprennent le système philosophique des kabbalistes juifs. Vous apprendrez cela plus tard si vous avancez plus avant dans la hiérarchie, car il se trouve développé dans des degrés plus élevés. C'est de qui, ce que je viens de dire? C'est de monsieur Albert Pike. Vous avez dû entendre parler d'Albert Pike. Albert Pike, l'auteur de Morales et dogmes du rite écossais ancien et accepté, le fameux Pike, tous les gens qui s'intéressent à la franc-maçonnerie connaissent. Donc évidemment, 33e du rite écossais ancien et accepté, et pas que. Alors, une autre citation. Le suprême architecte révélera ce qui doit l'être en temps voulu. Il régénérera le monde et le principe. Ceci se produira par les nouveaux effets d'un rédempteur qu'on attend toujours, par une incarnation directe de la divinité, par l'inspiration d'un prophète, par la voix d'un élu. C'est signé du même Albert Pike dans le même ouvrage « Morales et dogmes du rite écossais ancien et accepté ». Alors, quand ils vous disent « le suprême architecte révélera ce qui doit l'être », il régénérera le monde et le principe. Là, il parle, du Messie, mais du Messie, c'est pas notre Messie à nous, hein, on s'est compris. Voilà. Et l'incarnation directe de la divinité par la voix d'un élu, bon, là, il nous parle très clairement de Lucifer ou du Dajjal. Enfin, il
faut lire ensuite ce qu'il écrit pour qu'on le comprenne. Mais ça, c'est pareil, c'est à partir du 30e degré. Alors, une autre déclaration, déclaration du Grand Orient 1877. L'action de la franc-maçonnerie consiste à rechercher, provoquer même, tout ce qui peut contribuer à la destruction des notions périmées et des idées vieillies. Alors, comprenez destruction de l'Ancien Monde, des évangiles, de la chrétienté, de l'aristocratie, de tout ce qui, voilà, au profit de l'usure et du chaos, mais du chaos organisé. Hein, je rappelle que le mot de passe du 33e degré, c'est « ordo ab chaos ». C'est-à-dire, on crée le chaos, et de ce chaos-là, on tient les deux côtés de la société, et donc c'est un chaos organisé, l'ordre du chaos des francs-maçons. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures, et puis maintenant, pour refermer la page glauque de la franc-maçonnerie, lugubre gondole de Franz Liszt, qui a été franc-maçon et qui a foutu le camp lui aussi, et qui est devenu prêtre à la fin de sa vie, comme quoi tout est possible. Ciao.